Y avait-il un mot indiquant qui a construit cet endroit ? C'est ça le problème. Aucun de nous n'a jamais su si cet endroit existait vraiment. L'aïeul gesticulait en direction d'une enceinte murée dans le jardin supérieur quand il parlait du palais. On s'imaginait tous des couloirs magnifiques remplis d'élus à la maîtrise de soi telle qu'il pourrait même surmonter la mort. Alors il vous a menti. Il n'est pas rentré dans les détails. Si on réussissait les épreuves jusqu'à la terrasse supérieure, on avait accès au passage. Et ceux qui y sont entrés n'en sont jamais revenus. La translation. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, on pensait tous que le passage était l'ultime épreuve. Le grand saut. La chair et l'âme entreront dans le palais par des portes distinctes. Seuls ceux à l'esprit et au corps fort pourront reformer un tout. On a vu des industrieux se briser pendant l'entraînement, mentalement et physiquement. Ça avait de quoi vous motiver. Ce qui nous motivait, c'était plutôt le challenge et la grande récompense. Être un industrieux, c'était être en compétition constante et toujours donner le meilleur de soi. Mais pour gagner, il fallait que d'autres perdent en perdant la vie. La compétition attise l'envie. Ça devait être dangereux pour vous si vous étiez aussi bonne que vous le dites. L'excellence était estimée de tous. Plus l'adversaire était fort, plus l'exercice était bénéfique. Au bout du compte, tout le monde y gagnait. Joli modèle social si on fait abstraction des conséquences de la défaite. L'aïeul fonctionnait comme ça. Il ne prêchait pas. C'était du raisonnement pur. Le programme veillait à ce que tous les industrieux suivent logiquement sa ligne de pensée jusqu'à la conclusion. Car comment nier la perfection ? Comment auriez-vous pu ? Spontanéité, chaos, vie ! C'est comme ça qu'on fait ses preuves. Pourquoi passer l'éternité à créer le meilleur soi possible ? Un potentiel sans réalisation ?